Salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur PVZ2 et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu spécial, un mode que j'avais pas du tout vu, ou en tout cas j'y avais pas fait attention. On a ici un vase vert, et en fait ici on a un mode qui s'appelle briseur de vase, et je me suis dit qu'on pourrait le tester. Je sais pas du tout ce que c'est, ou alors je me rappelle plus, peut-être que je l'avais fait à l'époque, mais on va tester briseur de vase. Donc on a l'intro et on a également le pack défi égyptien, voilà, donc on va essayer de faire ça. Et on verra un peu ce que ça donne. Donc let's go pour le premier level de l'intro, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? Une pelouse pleine de vases? C'est comme une boîte de chocolat. Certains sont divins, et d'autres sont tout simplement immondes. Par contre, les vases sont plus durs que les chocolats. Attention aux dents. Essayez de ne pas briser les vases trop rapidement. Vous pourriez vite être dépassé par les mauvaises pioches. Ah, y a quoi dans les vases? Ah, y a des zombies, non? Je crois que ça me dit quelque chose, en fait. Donc dans les vases, on a des zombies. Touchez un vase pour voir ce qu'il contient. Donc là, je vais appuyer sur celui-là. Ah, on a des plantes et des zombies. Détruisez tous les zombies et les vases pour terminer le niveau. Ah, c'est sympa, d'accord. Du coup, je vais mettre ça là. Là, il y a un zombie, parfait. On va normalement le détruire. J'ai joué en accéléré. Ah, bon, là, il y a un autre zombie, par contre. Hop, on a... Ça va, une deuxième plante. Ici, on a une noix, je vais la placer ici. Il va logiquement mourir. On a trois engrais, donc là, on est sûr de récupérer de l'engrais. Ah non, c'est pas forcément de l'engrais, d'accord. Ça peut être des mines. On va en mettre une ici. Celui-là, on va le placer en haut. On va mettre une noix devant. Lui, il va exploser normalement avec la mine. Elle devrait sortir bientôt. Ah, c'est sympa comme mode. Franchement, c'est sympa. C'est assez... Il y a un peu de réflexion. Je trouve ça super cool. Donc là, on va nous donner encore... En fait, dedans, on est sûr d'avoir des plantes, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça. Ok, ah ouais, non, mais on amasse... Ah ouais, non mais d'accord, on a masse plante, hein. Il nous donne masse plante. Bon, après c'est le premier level de l'intro. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est pour nous apprendre les bases du jeu. Ok, donc on n'a pas le droit à des bonus. Il n'y a aucun bonus de débloquer. Boum! Je te détruis la gueule, moi. Voilà, merci. Ok. Le premier level. Niveau suivant, du coup. Il avait pas l'air d'avoir beaucoup de levels. Je crois qu'il y avait 3 levels pour l'intro, et après 3 levels dans l'Égypte antique. Très bien, bon, cette fois-ci les vases sont un peu plus proches. Ils sont un peu plus proches, très bien, très bien. Alors on va d'abord détruire ceux au fond. Oh merde. Alors là on est peut-être dans la merde. Est-ce qu'on va réussir à le détruire? Ah, comme quoi. C'est pas si facile, hein. Allez, allez. Non, détruis-le. Là-bas. Lui, tue-le. On a perdu. Comme quoi, faut faire attention. Bon, j'ai fait le con. En vrai, j'ai fait le con parce que j'ai détruit les vases qui étaient assez, assez proches. Et j'aurais pas dû. J'aurais vraiment pas dû. Allez, on recommence. C'est pas grave, c'est le temps de le comprendre, le jeu. Mais je trouve ça vachement stratégique, donc c'est plutôt intéressant. Alors, c'est parti. Ok, déjà, on a ça. Ça, où est-ce qu'on peut le placer? En vrai, on va le garder pour l'instant, je vais le laisser là. Ça, on va le placer là. Ok, on a de l'engrais, nice. Ah merde, il disparaît après. Je vais le mettre là. Il disparaît après, d'accord. Alors lui, logiquement, il va mourir. Ici, on a une noix, donc je vais placer la noix là. On peut faire cette ligne tranquillement. Oh lui, oh là là, la merde. Il nous faudrait une noix là, par contre. Voilà, on va essayer de le détruire avec ça. On a une mine. Ok, c'est mon admin. Parfait. La noix, on va le placer ici. On a un tapchoy. Je vais le mettre là. Ok. Il devrait mourir normalement. Il devrait mourir. Ok, parfait. Le tapchoy, je vais le poser ici. Lui, on va le bloquer. Lui, il va mourir normalement avec ça. Ça, je vais le poser là, du coup. On a un engrais. Bon, je vais l'utiliser. L'engrais, autant l'utiliser. Et c'est réussi. Très bien. Là, c'était déjà un peu plus compliqué parce qu'on avait le côté... Les vases sont très proches de la maison. Du coup, c'était un peu plus compliqué, mais ça va encore. Et on gagne quand même 200 pièces d'or, hein, par level, hein. Allez, niveau suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Ok, il y a beaucoup plus de vases. Et là, je crois que c'est un gargantua. Je pense que ça, c'est un gargantua. Forcément. Alors, on a une mine ici.
Bon, déjà, lui, on va essayer de le buter avec la mine. Lui, on va le placer là. Lui, on va le placer là. Lui, il va mourir avec la mine. Je crois que ça one shot. Hein. Normalement, ça one shot. Hop, ça, on va le poser là. Allez, 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 par contre, la mine. Putain, mais tellement de temps à sortir. Oula, bon, là, il y a du zombie. On va les détruire normalement. Je vais attendre un peu. Alors, je dois pas trop attendre parce qu'on a lui. Hein. On a lui qui est ici. Ça, je vais le placer là. Ok, eux, c'est géré. Alors, regardez ce qui se passe en haut. Oulala, là, là, en haut, il y a du. Il y a beaucoup de choses. On va placer du coup une noix là. En bas, il y a de la grosse plante. On va mettre deux. On a un engrais. Ok, nice. L'engrais va peut-être nous permettre de buter le gargantua du coup. En haut, ça devrait bien se passer. En bas aussi. Ah, peut-être pas en bas. Quoique, si, si, ça va le faire. Ah, j'ai envie de garder mon engrais. Allez, allez. Merde, en haut, j'avais pas vu. Ça va le faire ou pas en haut? Ah, j'ai des doutes. Ah, je vais claquer l'engrais. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je m'en veux. Allez, on va devoir le tuer avec le tap choy. Hein. Ah, je pense que c'est quand même perdu. C'est quand même perdu. Ici, j'ai la noix. On va devoir tuer le gargantua. Je pense que c'est perdu en vrai. Je pense que c'est perdu. Ah, la noix, je l'ai mal placée en plus. Super. Ouais, c'est perdu. Je pense pas qu'on puisse tuer le gargantua avec ce qu'on a. J'aurais dû garder l'engrais. Et j'ai utilisé l'engrais bêtement. Est-ce que je peux retirer des plantes pour les planter ailleurs? Non. Dommage, on va recommencer. Eh bien écoutez, c'est bien compliqué. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, je connais pas du tout le mode, donc forcément. Faut absolument que je garde l'engrais, en fait, pour le gargantua. Je suis obligé. Allez, c'est parti. On va le mettre là. Hop. Voilà. Ici on a une mine, je vais la poser ici du coup. Pour l'instant je sais pas trop. Ok. Bon, on a des doubles poids là sur toutes les lignes. Donc on a une bonne protection. Je vais rajouter encore une mine ici pour le gargantua. Alors eux, il faudrait les tuer avant qu'ils touchent la mine. Ah, ils vont se prendre la mine, dommage. Non, c'est bon, j'ai une noix, parfait ça. Ça, c'est cool. Hop, ici on a ça. Je vais le placer là. Ok, ça je vais le placer ici parce que le gargantua, on va devoir le détruire. Alors en haut, ça va être chaud. En haut, ça va être chaud. Putain, je vais devoir utiliser une mine. Ah là là, je vais devoir utiliser une mine en haut. Enfin une mine, une... Quoique. Un engrais, je voulais dire. Ah, je vais devoir utiliser l'engrais en haut. En fait, l'engrais, il faudrait essayer de le garder, mais c'est très compliqué. Ouais, je suis obligé. Voilà, je pense que c'est mort encore. Malheureusement. Alors, peut-être avec de la chance. Hein. Peut-être avec beaucoup de chance. Allez, 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 allez. Allez, avec un peu de chance, là. Oui! C'est passé! Ah, c'est passé, j'y crois pas. Yes! On a réussi, trop bien. Excellent. Excellent! Révèle le contenu d'un vase dans le briseur de vase, d'accord. Donc ça, c'est... d'accord, ça remplace, en fait, les améliorations en bas. Et on passe, du coup, au pack défi égyptien. Le sans fin, on a un mode sans fin aussi. Donc en fait il y a l'intro, l'égyptien et un mode sans fin. Ok. Bon, le mode sans fin, je sais pas si on le fera hein. On verra. Alors toucher un vase. Ici. Donc ici on sait qu'il y a une plante. Montre vase vous permet de préparer votre coup suivant. D'accord. On en a combien de ça? Ah, ça utilise des pièces d'or. Ah ouais. Non mais c'est compliqué, moi je veux pas utiliser de pièces d'or. Lui on va l'exploser avec la mine. Ouh là là. C'est bon, on a ça, parfait. Moi je veux pas utiliser des pièces d'or moi.
Vous avez vu comment ils me font utiliser des pièces d'or? Alors là par contre, oh mon dieu. Compliqué ce que vous me faites là. Voilà. On a un engrais. Eux on va les bloquer. Normalement ça devrait être bon. Normalement. Je vais devoir peut-être utiliser l'engrais en haut. Oh là là, ouais non mais là... là c'est compliqué, hein, c'est chaud. Ah, va falloir se la jouer un peu plus stratégique. Peut-être qu'on peut toucher eux sur le côté en même temps. Ah non, en haut ça va... Ouais, en haut ça va pas passer. Ah mais on recommence. On va recommencer plusieurs fois les levels, mais c'est comme ça. Hein. Celui-là, on va le garder pour l'instant. Ok, on va le placer en bas tout de suite. Et on va jouer en accéléré. Je vais patienter. Je vais essayer de vraiment se la jouer. On prend notre temps. On prend notre temps. Ça sert à rien de tout vouloir activer dès le début. Ah, normalement, ils vont mourir, eux. Normalement. Ah, quoique, c'est plutôt chaud, hein. Eux, ils sont morts ici. Ça devrait être bon. Allez, 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 allez. On les tue. Ok. Ouais, ça devrait être bon. Ok. Ici. Alors là, par contre, il va nous falloir... Ouais, voilà, il va nous falloir vite ça. On a une mine. La mine, je pense que je vais la garder. Je vais la placer en haut. Parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a. Allez, toi. Meurs. Très bien. On va attendre le temps que je détruise tout ça. Alors là, par contre, il y a du taf. Hein. Mais on a une noix. Ah merde, mais j'avais pas vu ici. Je vais placer une mine ici. Pour le tuer, lui. Oh là 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 là. Et lui, dès qu'il meurt, je place une des plantes. Allez, vas-y, meurs. Explose. Vraiment. On en est vraiment là. Je dois vraiment utiliser l'engrais maintenant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que je vais y arriver avec deux... oh mon dieu. C'est très chaud. Hein. Ça va peut-être passer. En vrai, je pense que ça va passer. Allez. On va activer ce côté là. Ah j'ai une noix. Oh trop bien, j'ai une noix. En bas ça va être chaud aussi hein. Là on a la mine. Allez tuez le lui. On va vraiment perdre sur le truc d'en bas là. Allez lui là, il voit rien. Il voit rien lui. On va vraiment perdre sur un zombie. Oh là 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 là, on perd sur un zombie. Oh. En bas ça a l'air tellement chaud aussi. Bon allez, je vais tout activer maintenant. On aura besoin d'aide ici, je pense. Je vais mettre une mine là. Et je pense qu'on va utiliser l'engrais. L'engrais sur cette ligne, on va pas avoir le choix. Normalement les autres on va pouvoir les gérer. Je vais attendre quand même un peu. Oh les autres on va les gérer. Normalement. Il est pas facile ce level hein. Bon, on va réussir là mais... Ok, on l'utilise maintenant. Allez, go! Allez, allez, allez! Oh, dites-moi qu'on les tue. Allez, encore! Encore un petit coup! Oui! Et en haut, ça devrait être bon, parfait. C'est que le premier level. Hein. C'est que le premier level du défi égyptien. Et je trouve ça déjà archi compliqué. Mais moi, j'ai pas envie d'utiliser d'or pour savoir ce qu'il y a en dessous les vases. Parce que du coup, enfin, c'est beaucoup trop facile en fait. Tu sais ce qu'il y a en dessous et tu te fais pas piéger. Tu te fais jamais piéger. Donc ouais non moi ça me... J'ai envie de réussir sans utiliser d'or. C'est pour ça que je galère un peu. Alors c'est reparti. Ok. J'ai voulu faire toutes les lignes hein, en mode voilà c'est drôle. Mais en fait c'est pas très drôle. Oli va mourir. Ok, on peut geler. Oh là, on peut geler énormément de... Oh là là, comment ça se fait qu'on peut geler autant de... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Hop. Bon du coup on va geler lui. On va en mettre un là. Lui il va exploser. Alors lui on va l'éteindre. Oh là là merde. Par contre on a besoin d'aide en bas là. J'ai de l'engrais. Et je vais devoir l'utiliser. On va devoir l'utiliser maintenant. Allez. Est-ce que lui on va pouvoir le tuer? Allez!
Ah ouais, non mais là trop dur. Enfin trop dur, j'abuse un peu hein. En vrai on aurait pu réussir. J'ai activé un peu tout trop vite. C'est à ça que servent les salles glaciaires. C'est à ça que servent les salles glaciaires. Donc les salades glaciaires, faut essayer de les garder, mais c'est compliqué parce qu'elles disparaissent au bout d'un moment. Donc faut les poser immédiatement sinon. Bon allez, on va réessayer. C'est pas si compliqué là. Enfin, je trouve que c'est pas si compliqué. Allez, let's go. Y a pas de gros zombies, j'ai l'impression, donc... Ok, ça je le place là. Ça on va le garder. Alors hop, toi. On va en placer un autre sur lui. Hop, toi aussi. Alors j'aimerais bien garder la mine. Ok, là on est bien. Normalement ils vont mourir, normalement. On va placer la mine ici du coup parce que je sais pas trop ce qu'il va y avoir en haut. Il va mourir lui. Dites-moi qu'il va mourir. Oui, parfait. En bas il va mourir aussi, ok. Là on est bien. On va activer les deux ici. Alors lui on va l'exploser avec la mine. Lui je vais quand même le geler. Ça on va le placer là. J'ai deux gels, va falloir l'utiliser rapidement. Hop sur lui. Hop lui. Hop on le gèle. Merde. Attendez, je vais tout activer. Je sais ce que je vais faire. À claquer de l'engrais maintenant. Ah mais merde lui en bas j'avais pas vu. Oh je joue très mal hein. Ah il nous faut du gel. Oh là là sérieusement. C'est dégueulasse de mettre tout ça sur une même ligne. Hein, je suis désolé, c'est dégueulasse. Si on va mettre une patate, du coup. On va essayer de tous les exploser en même temps, mais bon. Lui, hop, on va le geler. Ici, je vais mettre une patate. Hop, lui, on va le faire péter. Sérieusement? Est-ce qu'il va quand même péter? Je pense qu'il va péter. Allez, 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 vas-y, vas-y, sors. Oui! Ok. On a géré la ligne du bas. Enfin, les deux lignes du bas, même. On a géré les deux lignes du bas. Assez content. On n'a pas récupéré encore l'engrais. Alors, toi, je te gèle. Ça, je vais mettre ici, du coup. Ok, on a le gros zombie. On a le gros zombie à gérer. Alors, j'active tout en même temps. C'est clairement pas la bonne idée. Hein. Hop, là, on va geler. Je vais activer l'engrais maintenant. Est-ce que ça suffit? Je pense que ça suffira pas. Dommage. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près mon dixième essai. Voilà. Alors vous ne le voyez pas parce que bah, je fais des coupures, mais j'en peux littéralement plus. J'en peux littéralement plus. Alors là, normalement, je devrais le tuer. Mais si je peux avoir un gel, c'est encore mieux. Oh là, je vais pas avoir de gel. Oh, mais attendez, j'ai vraiment pas de gel là nulle part. Hop, lui on le gèle. J'ai encore un autre gel, je vais le mettre ici. Je vais quand même devoir claquer de l'engrais là, je vais pas avoir le choix. Hop, là je gèle. Quoique, on va peut-être réussir à les avoir. Avec un peu de chance. Attendez, je vais pas réussir maintenant. Je galère depuis. Ah, quoique. Ok, on a les 2000 patates encore. On a les 2000 patates, donc ça semble plutôt bon. Alors, faut que j'actionne d'abord peut-être ceux au bout. Voilà. Alors, eux, ils vont mourir avec les 1000 patates. Normalement. Je vais attendre. Je vais laisser. Normalement, ils vont péter. Les deux vont péter avec la 1000 patates. Au pire, j'en active d'autres ici. Comme ça, ça fait péter tout en même temps. Ok, on met les deux. Allez, meurs-toi. Ah bah ça a l'air d'être plutôt bon cette fois-ci. Là on a quoi? Eh bah on a de gel, super, incroyable. Juste au moment où je dis, j'aime bien parce que je fais mon speech. Ça fait 10 fois que je recommence ce level et là je réussis. Incroyable. Très bien. Bon, allez du coup maintenant c'est le troisième level, du coup le dernier de l'Egypte. Parce que je crois que c'est, il y en avait 3 et là ils vont nous mettre un Gargantua forcément. Ah non ils nous mettent pas de Gargantua? Ok. Étonnant. Défi égyptien bloqué et piqué. Ah, on a les fameux pics. Bah déjà, on va les mettre ici.
Oh là 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 là, attendez, 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 attendez. Je veux bien qu'on nous mette des choses voilà, difficiles dans le jeu, mais là, là c'est très... Oh là là, quoi? Attendez, mais... J'ai envie de tout ouvrir juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, là. Alors, je vais claquer l'engrais, là. Ici, on va mettre une noix. On va mettre une noix, là. Mais attendez, attendez, il y a quoi en tout? Ça a l'air d'être sacrément chaud parce qu'il n'y a pas énormément de plantes. Hein. Il n'y a clairement pas énormément de plantes, donc ça a l'air d'être sacrément chaud. Bon, là, j'ai voulu tout ouvrir pour voir un peu ce qu'il y avait. Pour me faire un peu une idée dans ma tête de ce qu'on peut obtenir. Ok, maintenant, je sais à peu près. Alors, déjà, on a ça. Est-ce que lui, déjà, je peux le tuer juste avec ça? C'est une question que je me pose. Voilà, déjà, il y en a deux, du coup, hein, forcément. On va mettre ça là, ça là. Et je vais mettre une noix ici. En bas, on va mettre une noix ici. Alors, j'ai une autre noix, hein, si j'ai envie. Hop, on va mettre une noix là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les tuer déjà, ceux en bas? Normalement, ça devrait être bon. Les noix sont assez solides pour résister à ça. Ah, il reste deux zombies. Allez, on les bute. Ne me dites pas que je vais pas les avoir. Je vais vraiment devoir mettre un pic. Non, c'est bon. Ok. Là, on va mettre un pic ici. On va mettre ça là. On a une mine. La mine, je vais la poser en haut. Ah, la noix peut casser à tout moment, mais c'est bon. Ici, j'ai un engrais. Ça, on va le placer là. Je vais tout activer maintenant. J'ai un engrais, j'ai un engrais. Bah là, l'engrais, je l'active. Je l'active là? Non! Oh, je suis con. Ok, non, c'est bon, j'ai ça encore. Très bien, et maintenant, il nous reste... Oh, il nous reste à tuer lui, le zombie en haut. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer? Est-ce que la noix va être assez solide pour résister tout ce temps? Eh ben écoutez, on va... Bah là, on va patienter, hein. Ça va se jouer sur, sur un peu de la chance. Ah, ça va être chaud. Ah, quoique. Ah mais non, c'est bon. Non, la noix tient super longtemps, en vrai, hein. Je pensais pas autant. On a réussi, excellent. Eh ben on a... Bah, c'était beaucoup plus facile que le level précédent. C'était beaucoup plus facile que le level précédent, finalement. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'avais pas vu qu'il y avait encore... J'avais pas vu qu'il y avait encore un vase. Bon, on va pas perturber ça quand même. Non, normalement, lui, on va le détruire rapidement. Même si la noix est bientôt cassée. Ok, c'est bon. J'avais pas vu qu'il restait un vase, je sais pas pourquoi. Mais il me sortait de la tête. Et on a obtenu, du coup, encore une fois, un nouveau bonus. Permet de beurrer un zombie dans le briseur de vase. D'accord. Ça, c'est encore un mode pour nous faire utiliser de l'argent. Ah mais encore des défis en fait, les défis continuent. Ah mais c'est trop bien, il y a beaucoup de défis en fait. Excellent. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là en tout cas pour le défi égyptien. J'aime beaucoup ce mode. Franchement, je vous le dis, j'aime énormément ce mode. Je le trouve vachement original, beaucoup plus stratégique en fait que le mode de base. C'est super intéressant. Bah, je vous propose la prochaine fois de faire le pack défi pirate et le pack défi de l'Ouest. Voilà, on abandonne un peu les quêtes de côté, on les met de côté et on tente voilà le briseur de vase. Bon voilà, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cet épisode sur PVZ2, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois on fera le pack défi pirate et le pack défi de l'Ouest je pense si on a le temps. Merci à tous, portez-vous bien, salut.